C'est super dur, j'ai pas très très bien. Oui, j'ai très très bien. Donc toi, je vais vous présenter une technique de triche sur Gran Turismo 6. On va voir si ça va marcher ou pas. Moi, je suis la Mégane RS. Donc tu vois. Et là, je vais couper. Pour l'instant, je suis en tête de la course. Je dis bien pour l'instant. Si jamais qu'il venait juste de me doubler en fait. Oula, elle est bien cabossée ma voiture. Hein. Ça se voit que je lui ai rentré dedans. Attends, je freine bien. Et j'ai bien pris le virage, nickel. Donc là, je suis en intermédiaire. Je suis pas en professionnel, donc là, je suis en intermédiaire. C'est déjà pas mal. On essaie d'abord pour voir si en intermédiaire on tricher pour les débutants, c'est plus facile. Mais là, je l'ai fait sur le circuit du Mans, donc le circuit de la Sarthe. Oula. Il est vachement près de moi. Ça va être sa Lamborghini Countach. Je sais pas comment on dit. J'ai un peu mordi le bac à côté. J'ai réussi à bien rattraper ma Mégane. En grise, elle est super belle, mais. Un truc de ouf. Donc, voilà. Même si elle est un peu abîmée, elle est super belle cette couleur-là. Gris un peu sable, c'est super joli. Wow. Moi, je suis vraiment satisfait de la voiture. Je suis satisfait de ma voiture, c'est un truc de ouf. Très belle couleur. Pour l'instant, je suis troisième. Donc, voilà. J'ai eu un petit dérapage. On va voir si je vais arriver premier. Donc, le moment juridique va arriver. Les deux dernières secondes. En plus, juste derrière moi, il y a la Countach. Donc, c'est un peu stressant. La vidéo a été faite aujourd'hui. Donc c'est ça qui est pas mal, j'ai pas attendu. Moi j'attends jamais quand je fais des vidéos. Donc du coup là c'est vraiment en direct. Je viens juste de la filmer donc c'est pas mal. Et j'ai gagné!
Super, je suis arrivé premier. Vraiment merveilleux. En trichant, c'est pas mal. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de mettre un commentaire et de t'abonner si c'est pas déjà fait. Ciao, ciao, c'était super d'ailleurs.